Je suis l'abbé Pier Paolo Maria Petrucci, curé de Saint-Nicolas du Chardonnay. Pourquoi cette procession? Pour honorer Jésus-Christ réellement présent dans les saints sacrements de l'autel. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui est roi en tant que fils de Dieu, roi pas uniquement des familles, des âmes, mais aussi de la société, qui doit reconnaître sa royauté. Jésus verrugné par sa doctrine, qui doit être l'âme de la vie des individus, mais aussi de la société. Il doit conformer ses lois, la loi naturelle, à la loi divine. Et c'est pour ça que nous avons fait cette procession, pour que la France redevienne catholique, pour qu'elle reconnaisse le royaume social de notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement, c'est une procession qui se fait tous les ans à l'occasion de la fête de Dieu. La fête de Dieu, c'est le jeudi qui suit la fête de la Sainte Trinité. Mais puisque ce n'est pas un jour qui est chômé, on solennise la fête le dimanche qui suit ce jeudi. Par la messe le matin où il y a les premières communions des enfants, les enfants qui jetaient des fleurs. La plupart c'était des enfants qui avaient fait leur première communion aujourd'hui. Et l'après-midi justement par cette belle procession en honneur du Christ roi. Oui, mes supérieurs m'ont nommé à Caussade dans une maison d'exercice spirituel qui se trouve à côté des Montauban pour poursuivre l'œuvre du père Marziac, un religieux et ami de notre fraternité qui avait commencé avec lui pendant des années cette œuvre de prédication des retraites. Et donc mes supérieurs me demandent de la reprendre avec d'autres confrères. Absolument. Quand on part, on laisse toujours une partie de notre cœur là où on est passé. Nos paroissiens, c'est notre famille. Mais on est toujours unis par la prière et je sais qu'ils ne seront pas orphelins car un confrère viendra me remplacer. Thank you.
Moi je m'appelle Mathieu Goyer. Aujourd'hui on est venu faire une procession en honneur du Christ roi pour la fête Dieu, pour montrer publiquement notre foi catholique et pour montrer que la France elle est chrétienne et que même à l'époque tout le monde allait processionner partout en France. Et il faut bien perdurer je pense cette tradition pour montrer que la foi est là et que ça peut montrer aux gens je pense que les catholiques existent toujours et que si les gens veulent venir nous rejoindre dans l'église, et bien qu'ils sont les bienvenus. Moi, les gens ont été agréablement surpris, je pense. On les voyait prendre des photos, sortir leur portable. Il n'y a aucune remarque négative. Donc les gens, ils apprécient, je pense, de voir ce genre de procession parce que traditionnellement, ça rappelle des souvenirs, je pense, que leurs ancêtres ont connus. Alors la prochaine procession, si je ne me trompe pas, ça serait le 15 août. Saint-Nicolas-Chardonnay organise trois processions par an. Il y a celle de la fête Dieu du 15 août et du 8 décembre.